Bonjour la famille, bienvenue sur ma chaîne Le Secret de Mélos. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien par la grâce de Dieu. Voilà, donc je me présente pour les nouveaux. Je suis Karine, mère au foyer et maman de 4 garçons. Ici à la maison, ça règne, ça bouge de partout. Voilà, et donc aujourd'hui, je voulais vous partager une recette. C'est la recette de brioche fait maison. Voilà, en tant que mère, hein, voilà, pour que c'est des vacances, hein. Donc, quand c'est des vacances, les gars, ça bouffe, hein. Ici, ça mange. Donc, du coup, je me suis dit, je retourne à la cuisine, à la formation que j'ai faite. Hein. Donc, voilà. Donc, je préfère maintenant faire plus des collations en maison. Je vais partager avec vous la recette de brioche à la maison. La recette, elle est très facile à faire. Et voilà, donc je vais arrêter de trop parler et je vous laisse voir avec les images. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure. Et excusez-moi, demain c'est mon anniversaire. Et donc en commentaire, souhaitez-moi joyeux anniversaire. Ça me fera plaisir. Voilà, donc c'est ça. Bisous. Donc là, nous allons réaliser notre brioche maison. Je vais avoir besoin de la farine, 500 g de la farine, 20 ml de lait, de la levure. Je vais utiliser 3 œufs, 2 à la pâte quand je vais faire la pâte, et l'autre ça sera sur, pour mettre sur la pâte en haut, en fait, que la pâte soit bien dorée. J'aurai besoin du sel, le beurre, et je vais mettre un peu de sucre vanillé pour l'odeur, en fait, pour l'aromatiser un peu. Et voilà, donc on y va avec la recette. Et donc là, je vais commencer par mélanger les ingrédients secs. Voilà. Donc, je vais mettre. De la levure, ça fait équivalent de enchâsser de levure, boulangère, hein. Ça fait équivalent de ça, ce que je viens de mettre. Voilà. Souvent je fais avec l'œil, j'ai l'habitude. Voilà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit. Vous êtes la bienvenue dans la grande famille. Moi, je vous fais des gros bisous. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram qui est Le Secret de Mélos et mon Facebook, c'est Karine Mélos. Maintenant, je vais incorporer le beurre dans la pâte et ensuite je vais bien la malaxer pour travailler la pâte. Nettoyer mon plan de travail, voilà, et ensuite je vais travailler ma pâte dessus, voilà. Et maintenant je mets un peu de la farine sur le plan de travail et je vais bien malaxer la pâte pendant 8 à 10 minutes. La pâte, vous pouvez aussi le faire avec le robot, sinon avec l'appareil à pâte à pain, voilà.
Là, je viens de couper ma pâte pour mettre dans le moule et vous donner à la forme que vous voulez à votre brioche. En fait, moi, j'ai mis cette forme, mais si vous voulez, faites tout ce que vous voulez. En fait, voilà, vous donnez la forme qu'il vous faut. Et donc maintenant, ma brioche, je l'ai laissé reposer un peu. Je ne vais pas le laisser gonfler plus que ça, hein. Comme ça, c'est bon. Maintenant, je vais prendre l'œuf. J'ai mis le sel en fait pour que la couleur de jaune d'œuf sorte bien. Voilà, c'est plus pour la couleur. Le pinceau, bien mouiller le pinceau. Que notre brioche soit bien dorée. Voilà, n'hésitez pas de mettre un peu au fond, là où il y a la pâte au fond, sur la pâte. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Hein. Et là, j'ai coupé la brioche pour vous montrer la texture. Hein. Il est très mou. Voilà, la vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de partager la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye!